Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est Diamond Painting, mais comme vous avez vu dans le titre, c'est concours. Voilà, c'est la vidéo que vous attendiez depuis un petit moment, depuis le dernier concours. Voilà, j'ai reçu aujourd'hui, voilà Fifi qui vient vous dire bonjour. Ça faisait un petit moment qu'elle ne vous avait pas dit bonjour. Hein, mémé, tu viens dire bonjour. Donc j'ai reçu, je disais, j'ai reçu aujourd'hui donc le colis, enfin, pour le concours. Donc voilà, je vais vous montrer ce que c'est, bien sûr. La boutique partenaire qui participe à ce concours, c'est la boutique Ibroderie Diamant. Voilà, donc vous connaissez déjà, hein. Certains d'entre vous connaissent déjà. Et donc là, la boutique m'avait envoyé un email pour me demander de faire un partenariat avec un kit. Donc, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, voilà. Et donc, je leur avais demandé en même temps si ça les intéressait de participer à un concours sur ma chaîne, voilà. Et donc, ils ont accepté très gentiment de participer à ce concours en offrant en lot un kit de mon choix, bien sûr. Voilà. Donc, c'est un grand kit. Voilà, c'est un très grand kit. Je vais vous montrer tout de suite après. Alors, d'abord, pour participer au concours, c'est comme d'habitude. Il faut être abonné à ma chaîne, bien sûr. Ensuite, vous n'avez... Vous avez juste à mettre en commentaire... une petite phrase et comme quoi vous participez au concours. Voilà, moi en réponse à votre commentaire, je vous donnerai un numéro de participation et lorsque le concours sera terminé, je ferai un tirage au sort avec le logiciel que j'ai sur internet pour désigner la gagnante. Voilà, comme là ou le gagnant. Voilà, puisque maintenant, il y a des garçons qui viennent aussi sur ma chaîne. Donc, ce sera une ou un gagnant. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc c'est la boutique Ibroderie Diamant. Et comme vous voyez, c'est déjà une grande boîte. Alors, je vais vous montrer le kit. Donc, je pense que pas mal d'entre vous vont aimer. Donc, c'est moi qui ai choisi. Hein. Ah, je croyais qu'il y avait eu un gros bruit dehors, mais non. Alors, comme d'habitude, c'est moi qui ai choisi. Normalement, je ne me trompe pas souvent dans les goûts que vous avez hein, pour choisir les kits pour les concours. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été des kits que vous aimiez. Donc, je pense que cette fois-ci, ce sera encore un kit que vous allez aimer. En tout cas, moi, je l'adore. Donc, c'est des... Et je pense que vous aussi, vous allez l'aimer. Alors, c'est comme je vous disais, c'est une très grande taille. C'est un 50 sur 70. Voilà. C'est un kit plein, bien sûr. Et ce sont des perles carrées, voilà, des diamants carrés. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? C'est tout, voilà. Alors, voilà, voyez, donc la taille, c'est bien. Donc là, c'est un 70 par 50. Donc, je vous montre la toile. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et la toile est nickel. Je vais vous la montrer de dos pour que vous voyez qu'il n'y ait pas de rivière sur la toile. Elle est vraiment nickel chrome.
Il n'y a vraiment rien, elle est impeccable. Alors, c'est une... Là, c'est la feuille de route, donc c'est un kit qui a 35 couleurs, voilà. Donc, la feuille de route, la voici. Bon, il n'y a pas le dessin dessus, le dessin sur le kit. Je vais vous remettre l'image juste après. Parce que là, le dessin est en bas et je pense que je ne vais pas réussir à vous la montrer vraiment. Donc, je vais d'abord vous montrer la toile. Alors, je vais y aller tout doucement pour vous montrer la qualité de la toile. Elle est vraiment nickel, nickel, nickel. Voilà. J'en ai décollé un petit bout seulement, hein. Je ne vais pas tout décoller. Donc voilà, je vous montre, vous voyez, elle est vraiment superbe. Je vais essayer de décoller un petit peu. Voilà, vous voyez déjà un visage. Alors, ici, on voit le dessin, mais je vais vous remettre. Alors. Voilà, ça floute. Voilà. Et là, je vous mets tout de suite le dessin, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, vous avez vu le modèle, il est superbe. Je vais bien remettre la toile. Donc, il y a beaucoup de bleu. Il y a beaucoup de bleu, pas beaucoup de noir. Voilà, à part un petit chat noir qu'il y a là sur l'image. Il n'y a pas beaucoup de noir, pas beaucoup de blanc. Donc c'est souvent les couleurs qui font un peu peur. Je vais vous montrer maintenant les perles. Alors, voilà le paquet de perles. Alors, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Hein. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, c'est ici. Je ne vais pas tout sortir, je pense, hein, mais je vais vous montrer quelques-uns déjà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont en sachet zippé. Voilà, ça c'est bien, parce qu'une fois que vous avez terminé votre kit, au moins vous pouvez re-ranger vos perles dans vos petits sachets qui sont déjà référencés, voyez, avec les étiquettes dessus. Au moins comme ça vous n'avez pas besoin de rechercher après des sachets pour et des étiquettes pour vous remettre dans votre réserve. Voilà, donc je vais vous montrer. Voilà, donc ce sont des carrés. J'essaie de que ça floute pas, mais c'est un peu difficile. Voilà. Donc, on a des un peu toutes les couleurs, hein, du marron, du gris. J'essaye de sortir les plus gros paquets, si j'arrive. Voilà, par exemple, celui-ci, vous voyez, celui-là, il fait 53 grammes de perles. Alors, vous voyez, là, vous avez un gros, gros paquet de bleu. Alors, elles sont... Elles ont l'air très propres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de déchets, voilà. Mais bon, moi j'ai déjà eu des kits de chez Ibroderie Diamant, je n'ai pas eu de soucis particuliers chez eux. Donc, voilà. Et bien sûr, avec, donc il y a le petit kit, voilà, le petit stylet avec la petite mousse pour les doigts, la petite pince en métal. Hein, celle-là, c'est celle qui est la mieux, hein, la pince en métal.
le petit plateau, la petite colle, et vous avez encore dedans un petit sticker blanc pour faire des étiquettes si vous avez besoin. Voilà. Donc, il y a 35 couleurs, hein, donc vous voyez, là, il y a encore, hein, je vous montre comme ça, je vous dis, je ne vais pas tous les sortir, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de perles. Bon, il y a beaucoup de bleu. Mais, elles sont très propres, hein. On voit, il n'y a pas de poussière de perles, ni rien. En plus, alors ça, moi, il avait été mis dans mon kit, le kit que j'ai eu en partenariat, dont je vous ferai l'unboxing, hein, sur la prochaine vidéo. Et donc, j'ai décidé de l'offrir avec le kit du concours, puisque moi, je l'ai déjà. Je l'ai déjà eu plusieurs fois, donc je ne vais pas le garder pour moi. C'est le petit stylet, comme ça. Voilà, le petit stylet avec les strass. Je vais le vous montrer pour si vous, vous ne le connaissez pas encore. Moi, j'en ai déjà plusieurs, hein, comme ça. Donc, voilà, c'est celui-là. Donc, avec la petite pointe, là, et là, ici. Voilà, donc avec les petits strass à l'intérieur. Donc ça, j'ai décidé de vous laisser, de le laisser pour la gagnante, puisque moi, j'en ai pas besoin de toute façon. Voilà, je vais remettre. Je rangerai bien tout après, de toute façon, j'aurai le temps. Donc voilà. Bah écoutez, moi j'espère que ce kit vous aura plu. Alors, dans la boutique, c'est un kit, donc je vous ai dit, la taille 50-70, c'est des diamants carrés, il y a 35 couleurs, et c'est un kit qui a une valeur de plus de 45 € dans la boutique. Voilà. Ce kit s'appelle Belle Fée Elfe de Rêve. Voilà. Et je vous dis, bon, là je l'ai devant mon ordinateur. Je regardais si je pouvais vous dire autre chose dessus, mais non. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Et je pense avoir bien choisi le modèle. J'espère qu'il va vous plaire. Puis comme ça, dans les tons bleus, Allez, je m'étrangle. Pardon. Je pense que ça va plaire à pas mal d'entre vous. Enfin, j'espère. Voilà. Décidément, je ne sais plus parler. Voilà. Alors, bah, écoutez, maintenant, vous n'avez plus qu'à participer au concours. Voilà. En commentaire comme d'habitude, moi je ferai le, alors là on est le 20, là quand je filme la vidéo on est le 20 mai, j'espère que là quand vous êtes en train de regarder la vidéo on sera bien le 21. Je vais laisser le concours jusqu'au bah, 1er juin, voilà, jusqu'au 1er juin, le concours se terminera le 1er juin, et moi donc je ferai le tirage au sort le 2 ou le 3, hein, suivant mon emploi du temps, bon, je suis toujours chez moi, hein, mais je veux dire, je ferai le tirage au sort le 2 ou le 3 juin. Voilà, donc vous aurez la vidéo à ce moment-là, le 2 ou le 3, avec le résultat de la gagnante. Et la personne, comme d'habitude, aura une semaine, donc aura 7 jours pour me donner signe de vie. donc elle aura jusqu'au 10 juin. Voilà, la
personne aura jusqu'au 10 juin pour me contacter. Et si vraiment la personne ne me contacte pas, si la gagnante ne me contacte pas, bon, c'est jamais arrivé, hein, mais bon, on ne sait jamais. Dans ce cas-là, je referai un tirage au sort à ce moment-là, après le 10 juin. Mais bon, je pense que la gagnante va prendre contact avec moi à ce moment-là. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à laisser vos commentaires, marquer « je participe » et moi, à la suite, je viendrai vous donner votre numéro de participation. À chacun et chacune d'entre vous en commentaire, voilà. Et on n'aura plus qu'à faire le tirage au sort, donc le 2 ou le 3 juin, voilà. Donc, participez nombreux, nombreuses. Si vous avez envie de partager la vidéo, n'hésitez pas non plus, hein. En même temps, dites aux personnes de s'abonner à ma chaîne, voilà. Alors, sachez qu'il y aura encore un autre concours. Celui-là, je n'ai pas encore reçu, hein. Mais il y aura encore un autre concours. Donc, celui-là, il sera courant juin. Je ne sais pas quand, hein, ben, on verra. Et après, pour l'instant, je verrai, hein, s'il y aura encore d'autres concours après, mais je verrai comment ça ira. Mais donc, celui-ci, aujourd'hui, Pacha. Excusez-moi, il faisait des bêtises. Et puis, il y en aura un encore en juin. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous fait plaisir, que le kit, que le modèle que j'ai choisi vous plaît. Et maintenant, je vais vous laisser tous vos petits commentaires. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Allez, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bisous, bisous.